9,525 seulement, pourrait-on dire, pour l'entrée d'Ivankov dans ce championnat du monde. Mais attention, celui-ci, nous le connaissons bien désormais, il est français, c'est Dimitri Karbanenko, qui a été l'un des tout meilleurs du monde sous les couleurs de la Russie. Mais depuis un peu plus de 8 mois, il est désormais français et c'est le seul capable de réussir une performance pour la France dans ce concours général. Attention, l'une double avant. Oh, oui, formidable. Excellent. Saut particulièrement difficile à stabiliser. Dimitri y est presque parvenu, juste deux petits pas vers l'avant. Ah, dites-moi, regardez cet envol de Dimitri Karbanenko, double salto. Parfait. Voilà, ce grand pas en avant, mais sur un saut qui part sur le maximum, car cela fait partie des sauts les plus difficiles à exécuter. Et il l'a fort bien fait, vous voyez ce double avant, les genoux sont légèrement écartés, mais difficile de faire autrement. On voit le léger désaxé, on a les lignes qui sont aussi un repère pour les juges. Voilà, Dimitri Karbanenko donc, qui a 24 ans et qui obtient une excellente 9,625 pour l'entrée dans ce concours. C'est bon.